applaudir encore. Vous avez reconnu mademoiselle Elsa. Avec une nouvelle coiffure, la coiffure 89. Bienvenue au studio Potel et Chabot pour ce premier Champs-Élysées de l'année 89. Merci d'avoir été si nombreux à suivre le dernier. On avait terminé le réveillon en dansant. On a commencé l'année en dansant également. Je voudrais également vous dire que vous avez été plus de 10 millions à regarder ce réveillon spécial sur Antenne 2. Et je voudrais souhaiter un bon établissement, une consoeur qui présente régulièrement le journal de 20h. Pas en ce moment, elle est au fond de son lit, c'est Christine O'Crène. Elle faisait partie de ce réveillon et toute cette partie avait été enregistrée. Voilà pourquoi certains se sont étonnés de la voir dans cette émission. Mais ça avait été enregistré, cette partie en tout cas, le 16 décembre. Voilà, tous nos voeux de rétablissement, Christine. Maintenant, on va chanter oui. Oui, oui. Elsa, vous allez aller là-bas. Jour de neige. Chaud dedans, des
tous. Elsa. Dans un décor de nightclub, car on va beaucoup danser ce soir, jour de neige. Une année qui commence bien. Pour cette charmante Elsa, votre disque est disque d'or, 11 jours. Oui. C'est formidable. Mm-hmm. Vous allez partir un peu partout, chanter, oui. Benelux, Allemagne, etc. Et également au Canada. Au Canada, je vous donnerai oui. des adresses. Peut-être, ok. Habillez-vous chaudement. Oui. J'ai voulu vous faire une petite surprise. Regardez, vous allez me dire ce que c'est comme souvenir, ça. Car Elsa n'est pas seulement une chanteuse, c'est sans doute une des comédiennes les plus jeunes de sa génération, puisqu'à 10 ans, même à moins de 10 ans, elle était déjà dans un film. Ça, c'est avec... Ça, c'est avec Michel Serrault. Garde à vue. C'est Garde à vue, oui. C'était super. Absolument. Oui, il y avait Nino Ventura. Ça, c'est avec la petite Charlotte Valandré. C'est Rouge Baiser. C'est Rouge Baiser, oui. Normalement, ouais. Les conditions de tournage étaient très dures, d'ailleurs, de Rouge Baiser. Là, c'est Malavoie avec Jane Birkin. Oui. C'est La femme de ma vie. La femme de ma vie. Donc, c'est là que j'ai chanté T'en vas pas, etc. Oui. Et dans La femme de ma vie, il y avait une chanson. Oui. Qui a eu autant de succès, sinon plus que le film. Et qui a fait de vous une vedette. Elle a eu autant de succès que le film. Et ça, c'est le dernier film là, qu'on va voir, ça. Oui, ça c'est Où que tu sois. Alain Bergala. Oui, ça m'a permis de connaître Florence, que je ne connaissais pas et que j'ai beaucoup aimé. Vous avez fait déjà des choses dans votre jeune vie. Vous avez 15 ans. Oui. C'est fou avec la coiffure que vous avez fait ce soir, Jean-Marc Magnétis. Vous faites facilement 17 ans. Je vais maintenant... vous présenter deux garçons qui me font beaucoup rire et je ne suis pas le seul. Oui, ils sont super. Ils sont au Grand Edgar. C'est rue de la Gaîté à Paris. D'ailleurs, ils ont déjà fait rire le public sans avoir ouvert la bouche. Régis Laspalès et notre ami Chevalier, dont le prénom est Philippe Chevalier, absolument. Attendez. Régis et Philippe, au Grand Edgar, tous les soirs, voici l'agence de voyage.